Le monde actuel regorge de nouvelles technologies que vous pouvez utiliser au sein de votre expérience de vente pour proposer une expérience innovante à vos consommateurs. La première de ces innovations dont j'aimerais vous parler est la réalité augmentée. Il s'agit d'ajouter du virtuel à des éléments réels, comme lorsque vous avez des filtres sur certains réseaux sociaux, par exemple. Eh bien, sachez que vous avez de plus en plus facilement la possibilité de créer vos propres modules de réalité augmentée. Il existe également des entreprises spécialisées dans ce domaine, et il existe des objets que vous pouvez mettre sur votre point de vente et qui bénéficient de la réalité augmentée. Un objet par exemple, le miroir augmenté. Imaginez que votre client arrive dans votre point de vente et puisse accéder à un miroir sur lequel il aura des informations, tel un écran, et il pourra essayer des vêtements ou essayer une coiffure par exemple. La réalité augmentée permet aussi de se projeter dans l'utilisation d'un produit ou d'un service, par exemple en essayant de placer un meuble ou un élément de décoration dans son salon. Le grand frère de la réalité augmentée est ce que l'on appelle la réalité virtuelle. Vous savez, c'est ce casque que l'on se met sur les yeux pour se plonger dans un monde totalement virtuel. Et bien, de plus en plus de commerces, notamment, digitalisent leurs points de vente en réalité virtuelle pour permettre aux consommateurs, depuis chez eux et depuis leur canapé, de se balader dans leur boutique directement dans le casque. C'est une expérience qui nécessitera pas mal de coûts de développement, mais qui, à coup sûr, marquera les esprits. La troisième innovation est ce que l'on appelle le chatbot. Il s'agit d'un robot conversationnel. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de robot à côté de vous dans la boutique. Par contre, à travers une plateforme de messagerie, comme Facebook Messenger par exemple, ou bien même directement sur votre site internet, vos clients pourront poser un certain nombre de questions et le chatbot leur répondra en fonction des réponses que vous aurez prédéfinies. Cela permettra à votre client à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit de recevoir des réponses à ses questions et vous obtiendrez, suite à cela, un certain nombre d'informations qui seront précieuses dans la connaissance de vos clients. Une pratique qui se développe de plus en plus de nos jours et qui risque bien de dessiner le monde Internet de demain est la recherche vocale. Aujourd'hui, lorsqu'un consommateur veut rechercher des produits, il va sur un moteur de recherche comme Google et il entre les mots-clés dont il a besoin. Et bien de plus en plus, avec le développement des assistants vocaux comme Alexa de Amazon ou Google Home, les consommateurs font leurs recherches directement par la voix. Vous avez donc la possibilité de vous inscrire dans cette démarche en proposant vos résultats de recherche directement dans les recherches vocales de vos consommateurs. La dernière innovation technologique dont j'aimerais vous parler est la caisse connectée. C'est simplement une caisse qui, présente sur votre point de vente, va vous permettre de gérer l'ensemble de votre magasin. Par exemple, la gestion de la lumière, de la musique, des stocks, et d'à peu près l'ensemble de votre expérience consommateur. Alors évidemment, tous ces outils sont très technologiques et ils n'ont pas pour objectif de vous remplacer, plutôt de vous seconder et de proposer une expérience différenciante pour vos clients. Et il faut utiliser des pincettes lorsque l'on choisit les technologies que l'on veut implanter dans son entreprise. Le but n'étant pas que la technologie remplace l'homme, mais qu'elle lui serve.